l'Europe est née d'un sondage armé. On a plusieurs systèmes d'incendie. On a les bouches d'incendie, on a les systèmes automatiques de sprinklers. On a aussi le plus utilisé dans le bâtiment, c'est les RIA, les robinets. C'est un système manuel. Les systèmes de robinets d'incendie armé. Domaine d'application. Cette règle concerne les installations de robinets d'incendie armé mises en place dans tout type de bâtiment, industriel, commercial, agricole, tertiaire. La protection de certains risques si susceptibles de provoquer des feux spécifiques. Par exemple, des feux de classe B pour nécessiter l'utilisation des postes d'incendie additifs. Certains types de feux n'atteignent pas par l'eau. On a obligé, par exemple, dans les usines chimiques, d'ajouter des additifs au lot pour éteindre ces feux. Bon, le rôle, l'objet d'installation des RIA est de permettre de première intervention de la lutte contre l'incendie en attendant des moyens plus puissants soient mis en œuvre. En général, le rôle de la robinet d'incendie armée d'atteindre le feu pendant 20 minutes. Dans le calcul, par exemple, dans le calcul de réserve dans le cas d'installation des RIA, on prend en considération que l'installation peut marcher 20 minutes, au moins 20 minutes, dans le calcul de besoin de l'eau. C'est ça la robinet, c'est ça les RIA. La longueur des tuyaux des RIA est 30 mètres. Et 30 mètres. Dans le calcul, il faut prendre en considération que la longueur des tuyaux des RIA est 30 mètres. Et en général, la portée de l'eau de la robinet est 3 mètres. Donc, dans le calcul, dans l'étude, toujours, on prend en considération que le portée, la distance couverte par un robinet est 33 mètres. La longueur du tuyau plus la portée qui est 3 mètres. Bon, la conception d'installation. La conception d'une installation nécessite une analyse préalable des risques d'incendie qui doit notamment prendre en compte. Les prescriptions réglementaires existent. L'activité pratique ou prévue, la nature des produits fabriqués, entreposés, utilisés, des matériels et des technologies utilisées, la mode de stockage. Le cas échéant, c'est-à-dire l'étude doit être prise en considération. Par exemple, dans les RIA, le diamètre en général, il dépend de la nature du bâtiment, par exemple, bureau, stockage, usine. Ça dépend. Il y a des activités quand on a le risque d'incendie plus élevé, comme par exemple l'industrie du textile, de bois, de papier. On a par exemple des ateliers où on a un moindre risque, par exemple, les industries où on a, par exemple, des processus qui travaillent avec l'eau, par exemple. On n'a pas un grand risque d'incendie. On a par exemple, dans certains locaux, on n'a pas besoin de prévoir des systèmes contre l'incendie. Par exemple, les cages d'escalier. Escalier, on n'a pas en général on n'a pas les meubles qui peuvent propager le feu. L'installation de RIA doit protéger tous les locaux relatifs au risque d'incendie considéré. La constitution d'installation de RIA ou de pierre c'est-à-dire installation de RIA avec additif, exige de l'emploi de RIA certifié de normes françaises, c'est normal. Il faut toujours
le chantier ou dans le chantier. Toujours vérifier, dans le choix de matériel, vérifier la certification des matériels installés. Le positionnement des éléments constitutifs de l'installation doit permettre d'effectuer les opérations de maintenance conformément aux instructions du fabricant. Toujours dans les catalogues, on trouve des instructions plus précises. Description de l'installation de rien. Une installation de RIE comporte une source d'eau, des canalisations, des robinets, des robinets d'incendie armés et les pièces de rechange nécessaires à la maintenance corrective. Des postes d'incendie additifs doivent être prévus si le risque d'incendie le requiert. Par exemple, le schéma, c'est ça le schéma, par exemple. On a par exemple le source d'eau, c'est l'eau de ville. D'eau, c'est les vannes d'arrêt. C'est le compteur, dispositif anti-pollution. On a le puits en aval. Les vannes d'isolement d'arrêt. On a la vanne robinet de vidange. On a manomètre de réa, le puits dévaporisé. Pour assurer que la pression est correcte et vérifier la pression au niveau de réseau derrière, toujours doit être installé une manomètre au réel plus défavorisé parce que si le réel plus défavorisé, on a la pression correcte. Donc, on a la pression dans toute l'installation. Alimentation en eau, source, caractéristiques des sources. Les caractéristiques des sources d'alimentation sont déterminées en fonction du nombre de riens. Nombre de riens, c'est-à-dire le nombre des robinets, fonctionne simultanément. Par exemple, en installation, on installe par exemple en atelier, en bâtiment, par exemple, 30 riens. Mais dans le calcul de dB, on prend en général, ça dépend, on a un tableau qui indique, le tableau 1 qui indique, par exemple, si le nombre de réa varie entre 2 à 4, on prend en considération que deux réa fonctionnent simultanément, c'est 5 ou 6, on prend 3, c'est plus de 7, on prend 4 robinets fonctionnent simultanément. Toujours en installation de RIA, on a une règle que chaque endroit, en bâtiment ou en atelier de stockage ou l'endroit qu'on désire de protéger, il faut cet endroit couvrir au moins par deux robinets. Au moins par deux robinets. Par exemple, si vous avez une salle, par exemple, chaque endroit, il faut vérifier que cet endroit est couvert par deux robinets. Bon, comprenons ce qui possède les diamètres nominaux les plus importants et le réel le plus défavorisé. C'est ces conditions que la capacité des choses doit être vérifiée. La capacité utile de la source d'alimentation doit en tout état de cause être toujours supérieure ou égale à 10 mètres cubes. Même le besoin qu'on calcule, par exemple, on a par exemple 30 réas. On calcule le besoin, par exemple, de 4 réas marchent simultanément. On prend 4 réas de grand diamètre. Et prendre le débit de 4 robinets pendant 20 minutes. Pendant 20 minutes, on trouve la réserve d'eau obligatoire pour marcher l'installation d'incendie. Si cette quantité est inférieure à 10 mètres cubes, toujours on prévoit une quantité de 10 mètres cubes, au minimum 10 mètres cubes. Dans ces conditions, le valeur minimale de pression calculée en réel le plus défavorisé a un diamètre
mini multi mini pour enlever le tableau 2 indique le tableau 2 indique bon l'IRIA on a toujours on a trois diamètres le 19 6 le 25 8 le 3 le 33 12 la pression maximale de service si la pression maximale en état de service 12 bar 7 bar on a la pression minimale à l'arrêt de l'installation. Ouvrier le plus défavorisé doit être la pression. Ouvrier le plus défavorisé doit être égale à 4 bar. C'est-à-dire c'est le débit minimal, le débit de chaque deux rayons. Bon, pour les postes de santé additifs, on a le débit minimal. Ça doit être égal à 130 litres par minute à une pression de 2,5 bar mesurée à l'entrée du dispositif de projection. La pression et réseau d'alimentation. Lorsque la source de l'alimentation en eau est dépendante de l'alimentation électrique de l'établissement, des dispositions doivent être prises pour assurer en permanence cette alimentation. Bon, pour les installations électriques, normalement, on a deux installations. L'installation qui est l'installation électrique du bâtiment, on a l'installation dédiée aux urgences. Par exemple, dédiée au fonctionnement de l'installation de l'incendie. Par exemple, on a l'installation d'incendie automatique, par exemple les sprinklers, on a par exemple les stations de pompage pour assurer une pression, une certaine pression de fonctionnement de réseau, par exemple, doit être alimenté par une source. Des fois, on trouve dans les grands projets, par exemple, total, on trouve des pompes. Même installer des pompes qui marchent avec le mazote, avec des moteurs en diesel pour assurer l'alimentation de l'eau au réseau de RIA, au réseau de sprinklers, au réseau des bouches d'incendie pour les gros complexes. Notamment en cas de coupure générale dans le bâtiment protégé. L'origine du circuit sera en tous les cas située directement en amont de l'appareil de coupure générale de l'établissement sur un départ séparé. Un dispositif permettant de signaler l'utilisation de sources d'eau doit être mis en place, excepté par un réseau d'eau publique qui ne nécessite pas de dispositif de suppression. L'indication peut être visuelle, voyant une sonnerie. Des indicateurs de niveau de passage d'eau peuvent être utilisés. Dans ce cas, la station de RIA doit comporter un dispositif d'ici permettant de s'assurer de leur bon fonctionnement. Afin d'obtenir la pression de l'alimentation requise, le réseau peut être équipé d'un dispositif de suppression à fonctionnement automatique comprenant de pompes et pompes de début en pompe de secours automatique. Pompe, normalement, on appelle pompe jockey normalement. Deux pompes, c'est une petite station de suppression qui comporte en général deux pompes multicylindrales verticales qui assurent la pression. Ce dispositif de suppression doit être installé dans un local dédié à l'abri des chocs mécaniques et des risques incendie de local protégé. Le fonctionnement de l'installation de RIA ou l'arrêt des dispositifs de suppression ne doit pas occasionner un fonctionnement saccadé entraînant des détériorations dans l'installation. Chaque pompe doit avoir une courbe de pression le plus plat possible dans ses limites de l'emploi afin de limiter le maximum l'effet de pilier et pression de réserve. Lorsque la pression d'alimentation est supérieure à la pression maximale de surface de RIA, l'installation doit comporter un dispositif approprié par la méthode de diminuer cette pression. Lorsque l'eau
L'alimentation est chargée de particules de nature à altérer les caractéristiques qui donnent de notre un dispositif doit prévu. Par exemple, les filtres anti-boue. Si la source est polluée, si la source d'eau est polluée. Type de source admise, réseau d'eau public. Le réseau d'eau public ne peut être utilisé que le débit requis par l'installation excédé par 80% du débit disponible. C'est la canalisation du fil aux heures les plus grandes consommations. Bon, si le débit requis pour l'installation est supérieur à 80% du débit disponible par le réseau d'eau public, il faut prévoir un réservoir qui contient la quantité nécessaire pour l'installation, la quantité d'eau nécessaire pour l'installation. Cette réserve d'eau peut être constituée d'un plusieurs réservoirs et exclusivement destinés à lutter contre la santé, et notamment l'alimentation des rayons. En général, dans les poches à eau, dans les complexes, dans les hôtels, l'amener de l'eau pour, par exemple, l'alimentation, l'eau froide et l'eau chaude, par exemple, toujours dans un réservoir. Oh, on a un problème d'électricité. Est-ce que vous entendez bien? Bon, cette réserve d'eau qui peut être constituée d'un plusieurs réservoirs exclusivement destinés aux luttes contre l'incendie. Bon, je m'excuse, il y a une coupure d'électricité. Bon, on continue. Le problème est réglé. Équipé d'un système de réalimentation d'eau en fonctionnement automatique. Bon, le réservoir d'eau sous pression d'air. Cet réservoir doit être exclusivement destiné à lutter contre la santé et notamment à l'alimentation de l'installation. Le réservoir doit être muni par d'un dispositif manuel de réalimentation ou d'un robinet de barrage, d'un robinet de vidange, d'un indicateur de niveau d'eau, d'un manomètre portant un repère correspondant à la pression minimale à maintenir dans le réservoir, d'un soupape de sûreté, d'un compresseur spécifique à l'installation d'une lutte contre l'incendie capable d'assurer la mise de la pression service dans un délai maximum de 90 secondes. Bon, pour le feu, normalement, on intervenir dans un temps le plus court possible parce que la propagation de feu est dans les premières minutes est très grande de feu. Si on intervient dans les premières minutes, on a plus de chances que ce feu ait atteint. Oui, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions?
Bon, j'ai débuté cette cours par le système le plus simple. Bon, l'installation doit comporter un dispositif multi-automatique de la pression d'air et un dispositif d'alarme signalant la perte des niveaux d'eau. À condition de la pression, un débit requis, on peut dimensionner ces réservoirs sous pression d'air des circuits. Des stations de pompage pour maintenir la pression. Est-ce qu'on peut, par exemple, le suppresseur? Suppresseur. Non, c'est pas vrai. Bon, le cours prochain, une image. L'installation de la note, la réservoir sous pression doit être conforme à la réglementation de pression. Cher, est-ce mon bon nom ici? Bon, le réseau raccordé sur la nourrice d'installation d'extension automatique AE de type Springer. Sprinkler, c'est le dispositif qui divise de l'eau automatiquement, qui se trouve par exemple dans les chambres d'hôtel, dans certains établissements. Le système Sprinkler. Bon. Donc nous avons les sous-sols généralement, les sprinklers. Le Sprinkler, oui. Mais chef, les Même. chambres, mais dis-le, les sprinklers. Ah, il y a le Sprinkler, il y a le système Chef, automatique quatre Sprinkler. sprinklers et tu dois mettre tout là la température jusqu'à 63 degrés. Mais Bon. c'est possible qu'on gagne que ce. Ah, Est-ce il dit. qu'on n'a pas chambre ou là, madame, qu'est-ce que vous faites? Ah, il dit. Fait les hôtels, il dit. Fait les ateliers, il dit. Il chauffe les chambres, il Fait. dérobe les sous-sols, les couloirs. Il dit. Fait les couloirs, oui. Ah, il dit. Mais il dit. Je fais là. Il dit. Fait les couloirs, oui. Chauffe les chambres, parce Il que les chambres, mais dit. dérobe les Oui, il dit. Les détections. Détection trigger Détection fiche. automatique ou la manuelle. Oui. Il est possible de raccorder une installation de RIA sur la nourrice d'alimentation de réseau 2 d'installer section automatique à haut type Sprinkler sous réserve que le raccordement de l'installation soit situé en amont des postes de contrôle, c'est-à-dire directement sur une nourrice d'alimentation. Pour être raccordé, le système de RIA ou nourrice avant le système de contrôle de Sprinkler, parce que le Sprinkler est commandé par des détecteurs de feu. Si le détecteur est détecté le fumée, qui ordonne soit directement, soit par un régulateur qui ordonne soit le station de pompage, soit. Chef, j'ai fait détecteur mercure, mécanique. Qu'est-ce que mercure les la température, monsieur la fumée. Donc, quand il y a la température, quand il y a des fumées, quand il y a le sprinkler qui équipe le système de détection, quand il y a en général le sprinkler divisé par des couleurs. Chaque couleur a, par exemple, le sprinkler rouge, je ne sais pas, titre la température. En tout cas, chaque couleur indique une température, 1550, 1560, 1580, 90. Soit le sprinkler équipé par un système de détection, soit on a un sonde, soit on a plusieurs systèmes. Ah, tu m'as c'est Ah qu'un non. détecteur température. Non, mais je suis comme les détecteurs de température. Non. Il y a plusieurs Mais systèmes, soit. quand tu as la fumée ou quand tu as la température? Quand tu as la fumée, quand tu as la température. En général, c'est la température la plus utilisée. Quand tu as des systèmes de fumée, par exemple, dans l'industrie. Mais en général, pour les bâtiments, on utilise des sprinklers à détection.
دي تمبيراتور. اخذت انا شفت غير تاع تمبيراتور ما شفتش تاع لافيمي. تاع لافيمي كاين دي ديتيكتور يجون بلاصتين في البلافون. ديتيكتور اوتوماتيك ولا كاين ديكلونشمون مانيوال. تاع تاع لافيمي ويجيك شغل يكون عندك ان سيستم ابار تاع ديتيكسيون. واش لي مع سبرينغلر اس اس اي هذاك سيستم دو سيكوريتي د انسومبي وي سيستم سيكوريتي بون لهنا انا شوف هو على حسب واش حنايا لو طافاي تاعنا حنا كيما نتوما تي انجينيور اون ايكيب مون دابيتا نورمالمون لو طافاي تاعكم ديروا ان بون اتيد هيدروليك ثم ديروا لا ديمونسيون مون تاعكم شو هو السيستم لو ريزو هيدروليك يكون بيان اتيدي ابار هذيك لو سيستيم دو ديتيكسيون تما راني ندير لكم عليه شغل انيسياسيون لو سيستيم دو ديتيكسيون مي جو تروف كو لو سيستيم دو ديتيكسيون سي لي بوكو بلوس لوتوماتيزم لو شيما الكتريك تاعو هذوك تما مش نورمالمون مش سبيسياليتي تاعنا حنا السبيسياليتي تاعنا سي بوكو بلوس سي ليتيد هيدروليك ليتيد هيدروليك دو سيستيم تمنى كي يكون هاو سبرينغلر هو بعد لو سيستم هو في بعد ديتكسيون ميكرو ديتكسيون ابار وفي انتظار مال الكتريك هذاك سي اوتر هذاك سي لو طرافاي دي اوتوماتيسيان سي طرافاي توتر فيليار تسمى حنا خدمتنا غير لانستالاسيون تاع ريزو دو ريزو دو خدمتكم نتوما لي تي دي لانستالاسيون تاع لو ريزو دو لي يا لي سبرينغلر ديروا دي زون فيماج هذه هي نورمالمون لي كولون ايميد هذوك اللي تجوا في جيستالي سوتو لي كولون ايميد لي كولون ساش ندير لي كولون ساش كولون هما كيف لي كولون ساش لي كولون ايميد كيف هي بصح نوت كولون ساش بور لي بومبي اونكا دين كوبي او دو لا باش يجيو لي بومبي عمرو لي ريزيرفوار اون لي زيموبل كرون اونتور يجي لي بومبي راكور دي في دي تشوسي راكور دي لو تويو دو كاميون دو لي بومبي اي اون شاك ايتاج اون تروف شغل هذيك روبيني ويبلاصي لو تويو تاعو Bon, la capacité de la source d'eau soit augmentée afin de permettre l'alimentation à haute de cette installation. La pression à prendre en compte est celle fournie par la source d'eau, le débit des pompes ou des surpriseurs est augmenté en conséquence. Le raccordement d'installation des RIA sur une installation d'extension à haut type sprinkler n'est pas autorisé lorsque l'une des deux sources d'eau est constituée par un réservoir d'eau sous surpression. Bon, pour l'aspiration d'un réservoir. Bon, en DLD, l'installation doit comporter deux pompes. Une pompe de débit en pompe secours automatique, chacun est entraîné par un moteur électrique ou diesel. Dans certaines installations, on trouve une station de pompage électrique et une station de pompage diesel pour assurer si, dans le cas où le coupure d'électricité, une alimentation. Réseau de canalisation. Réseau de canalisation. Généralité, le réseau de canalisation de l'installation de RIA doit être clairement identifié, code couleur, marquage, etc., notamment lorsque plusieurs réseaux sont présents. Afin d'assurer la disponibilité de l'installation de RIA en cas d'incendie, le réseau de l'alimentation ou des RIA doit être spécifique à la lutte contre l'incendie. Il doit être conçu par un reste sous pression permanente jusqu'au robinet d'arrêt RIA. Bon, le réseau de l'alimentation des RIA doit être toujours en surpression. Toujours, par exemple, même dans le cas de l'arrêt, la pression dans l'installation doit être égale, en général, à 4 bars, suivant le type, normalement égale à 4 bars. Ou
au réel plus défavorisé. Cher gars, les systèmes iconaux en surpression. Même Même les systèmes. les sprinklers. Même les sprinklers, oui, même les sprinklers. Mais cher Valérie. Ah, bien sûr, même les sprinklers. Les systèmes comme les micro-carrières, haute colonne sèche avec quoi? Bon, les canalisations et parties de canalisation non enterrées doivent être ensuite d'un type approprié aux conditions ambiantes. Les caractéristiques doivent être conformes des normes, par exemple la dossier des normes européennes, des normes françaises. Il convient d'utiliser des tubes dont la pression maximale de service est compatible avec l'installation de rayon. Toujours vérifier si les tubes, si par exemple les coudes, les robinets d'arrêt, la pression maximale de service. Est-ce que compatible avec les réseaux de l'incendie? Les canalisations enterrées sont réalisées en tenant compte de la pression maximale de service. Soit un tube assez protégé extérieurement contre la corrosion par un revêtement approprié, soit un tube fonte conforme à la norme. On a le type polychlore de vinyle conforme, soit le type revêtement ciment, soit le type en polyéthylène. Pour des raisons de disponibilité de l'installation, le réseau d'alimentation ou bouclier chaque fois nécessaire, ce bouclage peut être réalisé en réunissant les colons par des boucles en auto-empasse. À proximité de chacun des organes de barrage, contre-barrage et vidange, une plaque doit être placée indiquant le fonctionnement de son robinet et ses conditions de manœuvre, sens et nombre de tours correspondant à l'ouverture ou à la fermeture complète. Tous les barrages et contre-barrages doivent être comportés installés en position ouverte. Un robinet de barrage doit être accessible et disposé à proximité de chaque rayon. Sa manœuvre, ouverture, fermeture ne doit pas prêter à confusion avec celle de robinet d'arrêt de rayon. Les dispositifs permettant d'éviter les coups de pilier à la fermeture du dispositif de projection doivent être installés si nécessaire. Les canalisations doivent être rincées avant l'accordement des rayons afin qu'un corps étranger ne vienne obstruer le robinet diffuseur ou le dispositif de projection lors de la mise en œuvre. La manchante flexible, c'est ça la manchante flexible. C'est ça. Si le réseau, c'est le réseau d'incendie et à distance de rayon, il faut installer un manchon flexible qui ne doit pas dépasser 1,5 m. L'accordement des rayons aux canalisations rigides non enterrées de l'installation peut se faire par des manchons flexibles. Dans ce cas, le robinet de barrage est placé en amont de la manchon flexible. L'accordement de la manchon flexible doit être conforme à la notice fabricant pour les conditions d'utilisation et les précautions de mise en œuvre. La manchon doit être avec les caractéristiques suivantes. La longueur maximale ne doit pas excéder 1,5 m. Elle ne doit pas dépasser l'encouplement en saillie de rayon. Elle ne doit pas affecter le fonctionnement des rayons pivotants. Doit être raccordée aux canalisations rigides tournées dans les rayons par les systèmes de raccord rapidement démontables, elles ne doivent pas affecter les performances hydrauliques de l'installation. Le réseau tendant à la corrosion interne et externe ne doit pas être inférieur à celle des canalisations rigides. La résistance à la flamme doit être vérifiée selon la norme applicable. Débit des canalisations. Le débit des canalisations est déterminé par le calcul hydraulique de l'installation en fonction des nombres de rayons. Dans tous les cas, la vitesse d'écoulement ne doit pas excéder 3 mètres par seconde. Dans la dimension de tuyauterie, la vitesse ne doit pas dépasser 3 mètres par seconde. Dans le cas d'un réseau bouclé, on prend
comme un test pour le calculateur hydraulique, ainsi que la simultanément dans l'eau, dans chaque branche en fonction des pertes de charge. Contrôle de pression. Un manomètre équipé d'un robinet de purge doit être installé immédiatement en amont de l'air hydrauliquement le plus défavorisé. Ce manomètre permet de contrôler en permanence la pression dans le réseau et de valider le calcul de source d'alimentation. Dans le cas d'installation de l'air alimentant des bâtiments séparés, il convient de prévoir dans chacun de ces bâtiments un dispositif de contrôle de pression. Vidange des canalisations. Afin de permettre des chasses rapides, le rinçage de canalisation et l'évacuation des boues de stagnation éventuelle des robinets de vidange de dimension conforme au tableau 3 doivent être installés à des points bas. En extrémité de réseau accessible, des robinets de vidange doivent être munis de bouchons. Le diamètre nominal des réseaux, le diamètre nominal des robinets de vidange. Suivant le diamètre nominal des réseaux, on doit installer au centre droit le plus bas les vannes de vidange. C'est la protection contre le gel. En général, on n'a pas un grand risque de gel en général, mais l'ensemble de l'installation doit être protégé contre le gel source de canalisation à l'extérieur, à l'intérieur du bâtiment et rien. Les canalisations souterraines non protégées doivent être enterrées à une profondeur minimale de 0,8 mètres. Pour les grandes installations, les complexes, les casernes, les universités, des fois, on est obligé d'avoir des réseaux de l'eau enterrés pour la profondeur minimale est de 0,8 mètres. Les équipements de canalisation situés dans les rocades doivent être aussi protégés contre le gel. La protection contre le gel de la partie d'installation à l'intérieur d'un bâtiment qui n'est pas hors de gel peut être obtenu par le moyen indiqué ci-après. Maintien sur aide de l'installation. La mise à c'est une technique, par exemple, c'est une technique pour. C'est une technique pour lutter contre le gel. La mise sur aide nécessite l'évacuation totale de l'eau de la partie de l'installation à maintenir sur aide. Les points suivants doivent être respectés lors de l'opération de vidange. Purge ouverte, tuyau déroulé, robinet diffuseur ouvert, robinet d'arrêt ouvert. De plus, un dispositif doit être prévu afin de visualiser la position du robinet d'arrêt ou sa manœuvre éventuelle lorsque l'installation est sur, par exemple, mise en place d'un sel sur le robinet d'arrêt en position fermée. Un dispositif de purge d'eau avec une évacuation doit être prévu. Le maintien sur aide d'une installation peut être obtenu en utilisant un poste d'alarme sur aide. Un poste d'alarme sur aide comporte un robinet d'arrêt, un clapet d'alarme sur aide, un manomètre placé, un turbine hydraulique entraînant un gong d'alarme, un robinet de vidange de l'installation, une vanne d'essai du gong d'alarme, un accélérateur ou un exhausteur. C'est-à-dire, met l'installation sur air pour éviter, si l'installation est remplie d'eau, on peut avoir le gel dans la période hivernale. Cette technique utilisée dans les installations d'extraction automatique à eau, type sprinkler, implique le maintien du réseau sur air comprimé à l'emploi d'un poste de contrôle sur air permettant l'envoyement du réseau dès la mise en œuvre des réseaux. L'installation doit être conçue de telle sorte que le délai maximal de l'arrêt de l'eau au réel le plus défavorisé soit de 30 secondes. Ce réel doit être utilisé afin de vérifier ce temps maximum.
Des indications rappelant l'existence de ce délai, la révolte devra être affichée au niveau de chaque lettre. Maintiens ce R. Par exemple, on a installation, on a post-alarme ce R. On a bien enterré de type incongélable. L'utilisation de ce type de robinet permet le maintien sur la canalisation de rivière située en aval. La fermeture de ce robinet permet la vidange de cette partie de indique que la canalisation maintenue sur présente une pente jusqu'à la dispositif de vidange. Des fois, on calorifie les tuyaux pour assurer que les tuyaux restent le plus chaud possible. Le traçage et le calorifage. Le traçage consiste à maintenir en gel les canalisations sous eau qui sont exposées au risque de gel par l'intermédiaire de moyens tels que le câble et ruban, chauffant, électrique, branchement. Canalisations sont calorifiées. L'utilisation de ce procédé amène à mettre sur elle la partie en aval du robinet d'arrêt. Il est donc nécessaire de prévoir en amont de ce robinet d'arrêt une bonne contre-barrage avec le jeu. Le traçage et le on a les tuyaux et met un isolant. Des fois, met un électrique. En général, dans les bâtiments, on a un risque de gel. Beaucoup plus à l'étranger. Autre dispositif, l'utilisation de destinée maintenir hors de l'installation derrière doit être soumise à l'avis préalable de prescripteur. Raccordement derrière. Le raccordement derrière robinet et filetage au pas de gaz défini par la norme. On a trois types derrière, diamètre nominal 19, 25 et 33. Le robinet d'arrêt manuel peut être soit à l'ouverture progressive, soit à l'ouverture rapide pour limiter les effets de flot et le risque pour l'utilisation. Le robinet d'arrêt de rien, D133 est une ouverture, une fermeture progressive. Pour éviter l'effet de bélier, par exemple, les rayons en diamètre nominal de 33 doit être une ouverture et fermeture progressive. De ces le robinet d'un sorti d'armée matériel, le rire doit être certifié. C'est normal, le marquage d'un robinet d'un sorti doit être notamment comporté les informations suivantes. Un défilé catalogue de rire, le nom de fournisseur, la marque commerciale, la référence à la norme. Quelle norme conforme cette réa? L'année de fabrication, la pression maximale de service, la longueur de diamètre, la longueur et le diamètre nominal des tuyaux, le diamètre équivalent de l'orifice de robinet diffusion. La détermination du diamètre nominal, cas général hors cas réglementaire. Le diamètre nominal des réas est déterminé en fonction de la classe de risque. Des activités et stockage pratique dans le bâtiment. Ceci peut être défini à l'aide de tableaux figurant en annexe 3, le diamètre nominal et ensuite déterminé selon le tableau 4. Et suivant la classe de risque, on a le classe 1, on utilise des rayures de diamètre nominal 19 ou 25. On a le classe 2, 3. Les classes RS, on utilise le diamètre nominal 33. Diamètre 25, c'est potentiel calorifique supérieur à 500 mégajoules par mètre carré. Bon, dans l'annexe, on trouve.
type d'activité dans le bâtiment et le classe de risque. C'est le calcul, par exemple. Si le classe de risque est 1, il veut par exemple dans un bureau, vous trouvez une chaise, un fauteuil, un armoire de bois, vous trouvez la quantité d'énergie estimée dans ce objet, ou puis sur la surface, on trouve par exemple, un mégajoule, par exemple, bibliothèque 1500 mégajoules par mètre carré, bureau 250, logement 300, archives 3500. Et à partir de ce calcul, on peut trouver le type de robinet utilisé. Par exemple, si on a une classe de risque 1 et un potentiel calorifique supérieur à 500, on travaille avec le diamètre nominal 25. Ces calculs sont également reconnus par la prison. La norme fixe le diamètre nominal en fonction du potentiel calorifique mégajoules par mètre carré du local protégé. Le potentiel calorifique dépend la nature des produits fabriqués, entreposés ou utilisés. Quelques exemples de potentiel calorifique de charge calorifique mégajoules sont donnés en annexe A. La détermination du diamètre nominal selon la norme française. Bon, on a le diamètre nominal, on a le diamètre nominal, le type de RIA. On a le potentiel calorifique avec, par exemple, robinet, avec un RIA de 19 par 6, 19, diamètre nominal de 19, on peut aller jusqu'à 500 mégajoules par mètre carré, puisqu'on a un faible potentiel calorifique. On a le diamètre nominal 25, on a de 500 à 900, risque moyen. On a le diamètre nominal 33 au-dessus de 900, risque important et dangereux. Quatre départements en réglementation. Le diamètre TR peut être imposé par la réglementation. Établissement de ce point de public. ORP, choix de robinet diviseur. Les RIA sont équipés d'un robinet de diviseur. Bon, allez, le type de diffusion d'eau. On a le type A, le type B et le type A par HT. Allez, c'est utilisé en général de les centrales électriques dans l'industrie en général. C'est utilisé dans les usines, dans les locaux où on a une grande installation électrique. Le choix d'un robinet diviseur détermine le site de l'analyse des risques. C'est-à-dire, ça dépend de l'utilisation. On choisit le type de diffusion de robinet. La position de cette diffusion à nappe en ancle fixe, diffusion de type B, assure la couverture d'un plus grand surface. Si on a par exemple un atelier, la position de cette diffusion, cône homogène, diffusion A, angle fixe, à angle réglable, assure un effet de refroidissement, un effet de ventilation et une protection de l'utilisateur. Afin d'assurer la protection contre l'incendie de certains dispositifs ou équipements susceptibles d'être sous tension électrique au moment de l'intervention, il est nécessaire d'utiliser des RIA équipés d'un robinet diffuseur de type diffusion DFAA. Par acheter des RIA doivent être certifiés. Pour les postes d'incendie additif. Un PA est un matériel de lutte contre l'incendie destiné à la protection de certains risques pouvant donner lieu à des feux spécifiques ne peuvent
pas être métissé uniquement avec de l'eau. Il est alimenté par un dispositif permettant de mélanger de l'eau et du mixeur ou additif. Il est utilisé par des personnels formés pour ce deux types de puits. L'eau est. On a un schéma. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est comme les RIA, mais on a un système qui ajoute des additifs au lot pour assurer, pour éteindre l'incendie. Si le feu est de type spécial ou l'eau ne peut pas être ne peut pas être atteindre le feu. Les postes d'incendie additifs doivent être certifiés ou équivalents, notamment des éléments suivants. Un dévidoir d'alimentation axiale, un dispositif de pré-mélange permanent d'adjonction d'un quantité de liquide émulsion ou additif dans l'eau d'alimentation, un robinet d'arrêt, un réserve d'émulsion ou additif, un dispositif de projection qui peut être un robinet diffuseur, une lance pas fonctionnement, une lance moyen fonctionnement, un mode d'emploi spécifique au pied affiché pour sa proximité. Le marquage de poste d'incendie additif armé doit notamment comporter les informations suivantes: le nom du fournisseur ou la marque commerciale ou leader, l'année de fabrication, la pression maximale de service, la longueur et le diamètre nominal des tuyaux. C'est ça le schéma. Les produits additifs. Les PIA utilisant des émulseurs ou des additifs mélangent à l'eau d'alimentation. Le concept de la solution devra déterminer le type d'émulseur ou d'additif et le dispositif de projection le plus approprié au risque à couvrir. Liquide d'émulseur. Un liquide d'émulseur est un produit adopté au feu de classe B qui mélange dans l'eau aux proportions convenables permet d'obtenir une mousse par incorporation d'air. En pratique, les émulseurs sont principalement utilisés pour lutter contre les feux liquides inflammables, ce qui amène distinct de grandes familles d'émulseurs. Les émulseurs pour feux liquides polaires, les émulseurs pour feux hydrocarbures. En général, on utilise les pierres dans l'industrie. Les fournisseurs les voient seulement. Et le rapport de volume de mousse est le volume de pré-mélange à partir duquel cette mousse a été produite. Pas seulement inférieur à 20, généralement l'ordre de 8, moyen foisonnement de 20 à 200, généralement de 40 à 50. En général, les systèmes d'incendie pour les centrales électriques et par exemple, les stations hydrocarbures comme de Sonatrach, de Sonatgaz, et dans la spécialité de l'ingénieur de sécurité et l'hygiène. Ce n'est pas spécialement pour l'ingénieur d'équipement d'habitat, mais dans le cas d'une usine autre que les grands complexes hydrocarbures, on peut intervenir. D'autres additifs mélangent dans l'eau en proportion convenable permettant d'améliorer la capacité extinctrice sur feu de classe A, caractéristique hydraulique. Quel que soit le dispositif de projection, robinet diffuseur, lance PF ou lance MF, les caractéristiques hydrauliques minimal 100 dB, minimal total 130 litres par minute en régime d'écoulement, mesuré sous une pression de 2,5 bar à l'entrée du dispositif de projection. Portée efficace minimale mesurée sous pression de 2,5 bar à l'entrée du dispositif de projection. Robinet diffuseur 3 mètres. Lance pas foisonnement 15 mètres. Lance moyen foisonnement 2 mètres. Pour les RIA, la portée de robinet est 3 mètres et la longueur des tuyaux est 30 mètres. Un PIA ne peut pas être équipé d'un robinet diffuseur.
cause les installations électriques. Règles spécifiques installation de PIA. Une même installation peut être composée d'IA et des PIA. Dans tous les cas, l'installation neuve ou installation modifiée, le calcul hydraulique de réseau doit tenir compte de la pression requise à l'entrée du dispositif de premier rang, donné par le constructeur de PIA, afin d'obtenir une pression minimale de 2,5 bar à l'entrée du dispositif de projection du PIA le plus défavorisé. En cas de modification de l'installation existante entraînant une augmentation de la pression d'alimentation, il convient d'assurer que les rayons précédemment installés se trouvent pas alors alimentés par une pression supérieure à 12 bar pour les rayons diamètre nominal 19-25 et à 7 bar pour les rayons de diamètre nominal 30. Un calcul hydraulique de nouvelle installation doit être fait. Donc, il conviendra de respecter la distance maximale entre les pieds et les réserves liquides immergées prescrites par le fabricant. Toujours, on doit respecter les. Bon, la réserve d'immergée doit être située dans un endroit respectant les températures limites d'utilisation à l'abri de détérioration ou protège mécaniquement. Elle doit être de capacité suffisante pour assurer le temps de fonctionnement minimal requis. La date de l'utilisation de l'émission doit être clairement visible sur les réserves. Implantation et nombre de rayons. Bon, l'implantation. Par exemple, je mets un exemple. À la fin, par exemple, vous avez une usine, vous avez le bureau et une usine. Suivant, bon, chaque endroit doit être couvert par deux rayons. Par deux rayons, en tenant compte que le rayon des cercles et les rayons des cercles est de 33 mètres, 30 pour les tuyaux et 3 pour la portée de la vanne. Et que, par exemple, dans cette usine, on n'a pas de couloir. S'il y a des couloirs, on prend en considération. On prend en considération. Les rayons doivent être placés à l'intérieur des bâtiments ou des locaux à protéger. Lorsqu'ils ne peuvent pas être placés à l'intérieur des locaux à protéger, ils doivent être installés à proximité des accès à ces locaux. Les rayons doivent être signalés par leur spectrogramme. Ils doivent être taxés. La mise en œuvre passée, l'axe de dévitoire bobine doit être situé entre 1 et 1,8 mètres. De sol, ils doivent être protégés contre le risque de gel et de détérioration. La plaque signalisation et le mode d'emploi de rayon doivent être installés à proximité de celui-ci. Le numéro de repérage de chaque rayon dans le réseau doit être figuré sur cette plaque et apprendre à une série unique. Le nombre de rayons et le choix. Le nombre de rayons et le choix de leur emplacement doivent être tels que toute la surface des locaux protégés puisse être efficacement atteinte. Les critères suivants doivent être pris en compte. L'agencement, la destination du local et la présence éventuelle d'obstacles, la longueur des tuyaux, 30 mètres au maximum, la portée de jet. Pour les rayons, la portée minimale est celle de jet divisée conique 100 mètres. Tout point de la surface des locaux doit pouvoir être couvert par au moins deux jets de sorte qu'en cas de départ d'incendie d'un des rayons soit accessible pour les robinets d'incendie d'armes. C'est la position du jet difficile qui est prise en compte. Donc, la position du jet doit assurer une portée supérieure à celle du jet difficile, un effet mécanique provoquant la dissociation des matériaux de l'air.
C'est bon, est-ce qu'il y a des questions? J'espère qu'on a fini pour aujourd'hui. On continue la semaine prochaine.